Virginie, parfois il était absent. C'était pas Ney qui devait s'occuper de la presse. Non, 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 Ney était là. Ney, c'est les charges de cavalerie encore et encore et encore catastrophiques. Part sur quoi? De la milice? Légion polonaise, jeune garde. Jeune garde, légion polonaise, légion polonaise. Il met ses jeunes gardes au milieu. Charge de cave sans avoir tiré au canon avant et ont fait si l'infanterie tout simplement. Donc était-ce une bourde militaire? Oui, ah complètement, complètement. Si les British auraient pu lâcher l'affaire, hein. Ils auraient pu. Il suffisait d'une défaite. D'une bonne défaite et c'était bon. Ils lâchaient l'affaire. Si, si, il me semble qu'il y en avait. Hein. Et puis même, il y avait quand même pas mal d'Anglais qui voulaient juste pas la guerre. Truc classique, quoi. Pas la guerre. Exactement! Sueur par excellence, totalement. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. C'est pas moi qui le dis pour une fois. Voilà. C'est parfait. C'est pour faire plier le jeu. En fait, sans la campagne de Russie, celle d'Espagne n'a plus loin serait restée maître de l'Europe par excellence. Sans celle de Russie. Celle d'Espagne, ça montre encore qui est le patron. Ça affirme qui est le patron. Oh, c'est joli ça comme formation! Les canons? Les canons? Pourquoi il n'y a pas de canon? Pourquoi il n'y a pas de canon sur cette map? C'est quoi ce bordel là? Où sont vos putains de canons? Bon, à chaque fois vous les oubliez, donc remarque c'est pas grave, hein. Mais où sont vos fucking canons? Ah, là y'a du canon! De Silly. Oui, après la DO de Russie, oui, tout est pire. Après la Russie, Si, si! Si t'as des Autrichiens, avec de l'honneur. Mais... les Autrichiens, quoi. Ouais, mais César Blas, ça va. Oui, alors, jouer sur la mobilité. Là, ces canons vont se faire défoncer. Arrête-les, 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 Janouk, arrête-les. Arrête-les vite. Et t'envoies ta lave-garde, vite, tu la fais courir. Oh putain, les cons! Oh, y'en a qu'un qui est mort! Les Danois esquivent les balles! Les Danois fuient les balles! Non mais regarde là! Là, là, ces canons là, il les met ici là! Oui, 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 ouais, oui, non mais oui, les Autrichiens, les Danois! Mais là, ces canons là, au lieu de les foutre sur cette putain de colline là! Ah si, il peut les foutre
tout ça, mais s'il y arrive, tant mieux. Mais sur cette map, t'as les canons, tu les défonces. Faut juste poser les canons au bon endroit. Il fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un truc, je crois que je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Tu joues contre Iron Man. Le lock sur le coup de canon. Oui. Mec, t'es pas contre un mia. Faut arrêter les conneries. Replie tes putains de trucs. Ah, c'est en attendant que les canons se mettent en place. Ils vont pas se mettre comme ça, eux. Ils vont bien se mettre. Non, mais faut faire un truc avec les canons. Oui, la mémoire collective dit que c'est la campagne de Russie qui était au début de la fin et la campagne d'Espagne est la vraie raison. Rien à comprendre, je pense. Ben, c'est que la campagne d'Espagne entraîne la campagne de Russie dans un sens, si on veut. Il a ses cavaliers là-bas, d'accord, ok. Mais dans un sens, il allait pas en Russie. Parce que avec la Russie, t'as quand même une armée immense. Avec la campagne de Russie, t'as l'armée immense qui va avec, donc... Oui, bon, je prends parti, et alors? Celle d'Espagne est une réelle bourde diplomatique où la campagne de Russie reste la plus meurtrière. Celle d'Espagne, elle est quand même pas mal, hein. Ils sont passés où, les cavaliers, là? Ils sont plus là. Très bien. Allez. Oh, c'est beaucoup trop étendu, tout ça. Oh là là. Oh là là, c'est beaucoup trop étendu. Ouf, 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 ouf. Ils passeront pas la nuit. Vous voulez le pied, elle a presque rien perdu en âme à cause des batailles. J'ai pas compris, Shadow. Oui. Ah, ok, dans ce sens-là, oui. Oui. On est bien de nombreuses de l'hiver russe et de beaucoup, beaucoup de l'été russe. L'été. L'été. L'été russe, comment ça l'été russe? Voilà, exactement, tu perds les troupes expérimentées alors que tu les gardes. Tu encules les gens. Voilà. T'as encore tes vieux grognières exactement comme il faut. Voilà, t'enlèves la campagne de Russie. Ça change beaucoup de choses. Puisqu'on ne peut pas prendre parti. Concentrons-nous sur la bataille. Eh, hey, tu veux. Faut pas que je prenne parti, mais regarde les pavés qu'il y a. Après, on ne refait pas l'histoire d'un poulain perdu, malgré nous et la vie à continuer. Oui, effectivement, effectivement, on peut juste exprimer notre somme incommensurable. C'est tout. Voilà. Bon, du coup. C'est une bourde et un mouroir pour ses troupes. 200 000 hommes qui ont fait toutes ses campagnes avant, donc ses troupes les plus fidèles et les plus entraînées pour se faire tuer par des paysans. Une vue dépassée de l'Espagne. Dans son imaginaire, Napoléon pensait que l'Espagne regorgeait d'or, mais malheureusement l'Espagne de 1808 n'est plus que l'ombre de l'Empire espagnol. Exactement, c'est les colonies qu'ils font. Que font ces canons? Oui, complètement. C'est complètement ça, l'Espagne, c'est un bon merdier. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai pas trop suivi, j'avoue.
c'est... Ouh, ça va faire mal, ça. Il y a de la cavalerie, là, ça va faire mal. La Russie, ce pays extrême. L'été a été très chaud et entraînait beaucoup de maladies. Ce qui arrivait à Borodino, il n'avait plus que la moitié de ses troupes, c'est pas pour rien. Effectivement... Oui, t'as mis longtemps à répondre, mais c'est pas grave, on t'en veut pas, Shadow. Bon, les Français sont dans la forêt. Très bien. Ils font des carrés. Ils sont dans la forêt. Et les Danois évitent la forêt. Mais... Il y a des Français de ce côté? Oh, le con! Il y a de la cavalerie de ce côté-là. Et son flanc droit, c'est que ça. C'est un peu léger, tout ça. C'est surtout que la dynastie de Bourbon était plus soutenue par la population qui pourrait installer sa propre dynastie, mais s'est trompé à l'esprit du très conservateur et avait été choqué par la mort du roi de France. Oui, enfin, c'est surtout la religion qui les a choqués. Plus le côté religieux que le côté roi. Le roi d'Espagne... Bon... Voilà, quoi. Après, je n'ai aucun a priori contre les armées qui utilisent des paysans, mais c'est juste dommage et malheureux que les troupes qui ont tous vécu se font massacrer sans aucun honneur durant la nuit quand ils dorment. Totalement, c'est... Oui, totalement d'accord avec toi. C'est comme quand sur Warhammer 2, tu prends les paysans avec la Bretonnie et que tu encules les gens. C'est humiliant. Bon, il n'y a pas grand chose à dire là, c'est un peu mou comme match, hein. On est sur un statu quo de la part de France-Danemark. Oh putain. Oh putain. C'est quoi ça là? On peut m'expliquer franchement. C'est... Ça là? Là c'est quoi ce bordel là? C'est quoi ce flanc droit? Ils appuient violemment sur l'aile gauche. Mais ils appuient de que dalle! Ça tient les Français là! Ah, c'est de la milice, excuse-moi. Il y a de la jeune garde derrière. Je crois qu'il a fait la technique jeune garde et... Vieille garde! Oh là 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 là! Ça va chier! Mais regarde là, ça tient pas ce côté là, la fauterie ne le tient pas. Et la vieille garde qui se ramène. Aile gauche FR. De nous appuyer violemment sur l'aile gauche. Aile gauche FR. Bah. L'aile gauche elle est là pour moi. Hein. On a oublié de prendre des canons. Bah oui. Mais ils appuient de que dalle mec, regarde. Ok, ces troupes sont là, mais l'aile gauche française elle est là. Hein. Ça c'est le centre. Ça c'est son centre. Hein. Son aile gauche est totalement libre. Son aile gauche là, elle repasse, bah, la tente, là, elle défonce tout ça. Hein. Mais c'était pour dire que je ne regarde pas de haut les unités des milices, etc. Qu'elles sont toujours utiles dans une guerre. Oui, à son cul. Mais regarde, mec, il y a des cavaliers derrière dans les arrières des Danois. C'est n'importe quoi. Même s'ils sont tenus en distance par des live guards à pied, il y a la vieille garde à travers, à pied, à cheval, là. L'aile gauche danois va se faire briser. Regarde, ils sont défoncés. Il y a la vieille et la jeune garde dedans. Il y a la vieille garde. Il y a deux unités de vieille garde, donc là moralement ça ne tombe jamais. T'as le 18ème d'infanterie de ligne. Quand t'as les braves à côté, pareil. T'as des polonais à travers. Son flanc droit ne tombe jamais, il va l'enculer. Le français va enculer le danois. Ça va être mémorable. Ah, enfin! Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire. La victoire se profile à l'horizon. Voilà, anéantissement du général. C'est normal, son général est timide n'importe comment. Voilà. Là, il rentre par derrière. En plus, c'est des chasseurs à cheval qui tirent. C'est... Il y a la vieille... En plus, il y a des chasseurs à cheval de la vieille garde. C'est ça. Ça a décimé, c'est... Ah là 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 là... Et les canons qui sont pris, les canons. Le seul truc qu'il a à protéger, c'est ces putains de canons. Ces canons lui offraient la victoire. Pourquoi il a pas mieux utilisé ces putains de canons? C'est pas compliqué d'attaquer les canons. Voyons.
c'est déprimant, c'est déprimant, c'est déprimant. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Bon, si Iron Man tu perds, j'ai envie de dire que t'es une pute quand même. Parce que là, franchement, ouais, il a perdu ses chaussures. C'est quoi ça? C'est quoi? Ou ça, ça va faire mal, ça. Ouf. Une dernière slave. Salve. Voilà. C'est fini. Allez, très bien. On rappelle tout de même que tout à l'heure, les Danois étaient ici et les Français étaient là-bas. Hein? Voilà. Donc là, on a la vieille garde avec de la. Avec les. N'importe quoi. Là, la ministre, tu vois, elle l'a mis en retrait, Andrew. Il l'a pas laissé là. Une ligne. Est-ce que Jadouk est en vocal? Je pense que t'es en vocal, là. Oui. Oui, oui. Parce que du coup, sa cavalerie devant manger cher. Mais bon. What? Sur les FR, t'as perdu. Oula! Deuxième match de Light contre Alex. Non, en fait, c'est la même chose que tout à l'heure, ça. Après Light, tu campes? Non. Si. T'as même pas vu les matchs. Est-ce que t'as la même chose? Je comprends pas ce qui se passe là. Le français avec le danois, ça je comprends ça. Ça c'est pas compliqué. C'est oui voilà le quoi? Comment ça il y a des trucs qui fuient? Les braves, c'est quoi ces braves qui fuient là? Lennox versus curieux. Bon j'arrive plus à suivre les matchs moi à force là. Lennox curieux, ok. Premier match, deuxième match. Lennox a gagné contre Curieux 2-0. D'accord. D'accord. Bon, c'est cool. Ça bug un peu là. C'est un bug un peu. Non, ça bug pas. Oui, bon, si, il bug un peu, mais ça va. Qui aurait un lien pour le Discord de la page ASP de Facebook? Sur Facebook est mort. Shadow! Je t'invoque! Là, clairement, tu peux passer ta commande. Celui de la ligue. Nous sommes battus en retraite, monsieur. Attends, donc tout ce qui reste des Danois. J'ai pas trop suivi, excusez-moi. les Danois se sont fait enculer en fait là. Il y a 5 minutes, ils étaient 4 fois plus. Là le flanc gauche est inexistant. Le flanc droit. Sans déconner, il a gagné. Je pensais qu'il perdait.
Merde, Wazak. Quoi? Lag, Alex. Suède, MDR. Quoi? Grande-Bretagne, Suède, Lag a perdu contre la Suède avec la Grande-Bretagne. Ok, très bien. Oh, t'es chiant, le bot. Ok, donc, Lag contre Alex. Bon, on finit cette game, puis après, on voit au niveau des points où c'est qu'on en est et tout. Ce sera plus simple. Allez là, allez, hop, 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 allez les Français là, vous dépêchez là. Les braves sont cassés, quoi. Mais j'y crois pas, les braves se sont cassés. Les braves se sont cassés, les Polonais sont restés. Ouais, les braves ils sont là-bas là, ils ont fui. Bon, mais et puis les Danois ils reviennent. Ok, très bien. Nous sommes une game très très classique. Ah, vous êtes vraiment trans. Faire les tournois tout le temps en fait. Il y a plein de gens pour les tournois. T'entends ça Ben? Faut faire des tournois tout le temps. Bon. Il est décédé là, le Danois. Iron Man, il a compris qu'il fallait redresser la barre et gagner avec les Français contre les Danois. C'est... On remercie Iron Man dans le chat, s'il vous plaît, quand même. Un peu de soutien. C'est le seul Français qui a gagné contre les Danois pour le moment. C'est honteux. Les Danois. Vraiment. On n'en revient pas. Et des Danois arrivent à gagner deux fois de suite, de façon écrasante, contre les Français. Je refuse. Je refuse. Ah là là. N'importe quoi. Merci les gens. C'est merde quoi. Oula, bataille dans la maison. Je crois que les Français ils vont dire non, c'est à nous en fait ça. Vous voyez, c'est pas à vous les Danois. Les Danois vous dégagez. On est sur le Val. Ah non, on est en Italie là. C'est la prairie italienne. Notre général est sous une attaque. C'est n'importe quoi là. Des Danois en Italie, mais c'est normal qu'ils se fassent rembarrer chez eux. C'est même pas un FR qui gagne contre le Danois, mais en fait. Totalement. Totalement. C'est. Fallait un Belge pour que la France gagne. Alors, du coup. Ça marche pas pour tout. Pas pour tout, en fait. Ça. Oh, ils se sont fait écraser. Oh là 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 là. Oh, c'est la violence. Ça c'est un match comme ça en fait que je m'attendais au premier en France-Danemark. Bon bah du coup on est sur une victoire de... Non parce que là clairement j'adoute, désolé. Mais... Il faut faire un tour de force là comme ça. Faut pas déconner. Et on a les braves qui sont toujours planqués là-bas là. Bon. Les braves. Il reste plus que 45. C'est fini! Et c'est le GG! On part sur un GG pour le Belge avec les Français contre le Danois. Voilà! Oh la vache! C'est violent! C'est si violent! GG!